sur CNews. Je salue donc de nouveau celui qui sera peut-être un jour ministre de l'Information ou de la Censure. Bonjour Monsieur Deloire. Bonjour Monsieur Pro. Est-ce que ce plateau vous convient? Vous m'avez comparé à Jean-Paul Marat, voilà un début d'intervention qui n'est pas du tout une manière d'orienter les débats. Mais je ne vous ai pas comparé, vous avez mal compris, mais peut-être comprenez-vous mal les choses. J'ai dit qu'il était journaliste comme vous, mais que je ne doute pas, que je n'imagine pas que vous soyez comme lui. C'est exactement le contraire que j'ai dit. Mais j'ai l'impression que je réécouterai. Commençons pas sur un aspect. Prenez des notes parce que j'ai l'impression que vous écoutez mal souvent. Est-ce que plateau vous convient, Pascal? Attendez. Moi je juge pas les plateaux. Attendez, je présente les gens d'abord. On dit bonjour. C'est juste de la politesse. On dit bonjour aux gens qui sont sur le plateau. Je me souviens d'une émission, vous savez, où le présentateur commençait avec des gants de boxe, ça me rappelle un peu ça. Charlotte, non, je dis bonjour à nos invités. Je me souviens. Charlotte Dornelas. On va parler du fond, je pense. Vous connaissez Charlotte Dornelas? Elle est pas que j'ai salué. Bon, je vois parfois qu'elle est considérée comme une journaliste d'extrême droite. C'est votre avis? Je ne crois pas que vous m'ayez vu dire ça, ni que vous ayez vu quiconque de Reporters sans frontières dire ça. Nous ne catégorisons pas les journalistes. Je tiens à le dire. Donc pour vous, Charlotte Dornelas, Reporters sans frontières partout dans le monde. Donc pour vous, Charlotte Dornelas, ce n'est pas une. Je vais vous dire une phrase. Je présente juste les journalistes. Nous ne catégorisons les journalistes, ni nous ne leur demandons leur carte politique ou leurs opinions politiques. Sauf avant que vous n'attaquez que CNews. Vous avez dit. Vous n'attaquez que CNews. On va y venir. Vous n'attaquez que CNews, ce qui met à mal chaque matin la démocratie, dites-vous. Nous avons attaquer l'ARCOM. Non. Qui est si vous commencez à ne pas. Écoutez, soyez. Assumez vos propos. Assumez vos propos, monsieur Deloire. Hier soir, pendant votre émission, Florian Tardif est là. Présenter tout le monde. Florian Tardif est là. Bonjour. J'espère que le plateau vous convient, monsieur le ministre de l'Information. Monsieur, Olivier Dartigolle, qui a une sensibilité peut-être de gauche. Monsieur Nolo, qui a une sensibilité également. De gauche républicaine. C'est pas à définir, donc j'attends. Et monsieur Fenech est là. Alors, effectivement. Moi, il y a une phrase que j'ai pas compris. Et je voulais. Alors, ça, c'est vous qui l'avez dit. Chaque jour, CNews passe son temps à tester la démocratie. Ça, c'est votre phrase. J'ai dit que CNews, que le type de télévision, de chaîne de télévision qu'est CNews, teste en effet les protections démocratiques en matière de droit à l'information, et notamment en matière d'indépendance éditoriale et de pluralisme de l'information. D'accord. Qui sont deux notions importantes du droit français, qui sont importantes pour tout le monde, qui ne sont pas importantes juste pour CNews. Pourquoi, comment et dites-moi quand? Quand est-ce que j'ai testé la démocratie dans ce pays? Est-ce que, Pascal Praud, je peux commencer quand même par dire pourquoi je vous ai proposé hier pendant l'émission de venir ce matin? Je vous pose une question. Depuis hier soir, je vous pose une question à laquelle, manifestement, contre la liberté d'expression. Vous ne pouvez pas répondre à ma question. Vous me dites que je teste la démocratie et vous ne voulez pas répondre à ma question. Je serais vous si vraiment je testais, comme vous dites, la démocratie, j'aurais tout de suite une réponse. Donc je vous demande de répondre à ma question. Là, vous êtes en train de mettre un bandeau RSF contre la liberté d'expression, alors que ce n'est pas de ce dont il s'agit. Et que moi, je vous ai contacté hier soir, et on s'est parlé après votre émission, en vous disant que, en regardant votre émission, et je l'ai fait hier soir, j'étais vraiment très, très surpris d'y entendre des choses qui n'ont rien à voir avec la démarche de Reporters sans frontières et la décision du Conseil d'État. Et que, moi, je vous propose qu'on reparte un peu d'une base factuelle sur ces questions-là. Quand vous attaquez CNews, à ficher politiquement les journalistes. Les bras m'en tombent, mais de quoi parle-t-on, en tout cas, quand en fait, vous avez la citation de Pascal Praud. En fait, vous allez nous expliquer que vous nous aimez bien, que vous nous écoutez bien, et puis finalement, comme toujours, d'un côté, vous allez écrire des choses horribles, et puis une fois que vous êtes en face de moi, vous ne me dites rien parce qu'il n'y a pas le début d'un argument. Ça va être ça, finalement, notre conversation. Je vous demande en quoi je teste la démocratie. Ma question est simple. Elle est quand même. C'est fort de dire ça. Je ne veux rien contre mes confrères. J'ai cité Jean-Michel Apadie, mais au fond, je les aime bien. C'est ça la vérité. Moi, j'aime bien Yann Barthès, j'aime bien tous ces gens qui ne pensent pas comme moi. Mais je suis abonné à Mediapart. Je paye à Mediapart. Et j'ai pas envie de faire fermer Mediapart, monsieur Deloire. Surtout pas. Voyez-vous, surtout pas. Donc je vous pose une question, vous n'y répondez pas. Laissez-moi parler. Franchement, vous n'êtes pas terrible jusqu'à présent. Il y a deux enjeux en démocratie. Enfin, il y en a beaucoup. Mais s'agissant de la liberté d'expression, il y a évidemment le périmètre de la liberté d'expression, et qui doit être extrêmement large. Il y a des exceptions prévues par le droit, mais pour le reste, tout ce qui n'appartient pas au champ des exceptions à la liberté d'expression est autorisé. Et il est important
que le pluralisme dans les médias soit le plus large possible. Il y a un second principe, s'agissant du pluralisme, et où on doit distinguer la presse écrite et la télévision, qui est une distinction que sans doute les Français connaissent assez peu, mais qui est une notion juridique importante, c'est qu'en matière de presse écrite, il y a une logique dite de pluralisme externe, une diversité de lignes éditoriales, et les lignes éditoriales peuvent être très orientées à gauche, à droite, ailleurs, peu importe. S'agissant de la télévision, il y a un principe qui a été posé et qui est prévu par la loi, par une loi datant de 1986, qui est une loi reconnue comme une loi de liberté. Je suis pas au CFJ, tout ça. Mais il n'y a pas de souci. L'ARCOM vous a répondu là-dessus. L'ARCOM vous a répondu. Donc vous êtes allé voir le Conseil d'État. L'ARCOM vous a dit CNews respecte la loi de 86. Vous êtes venu sur un autre terrain en expliquant que Charlotte Dornelas maintenant doit être comptabilisée, peut-être parce que ça n'est pas dans la décision, ça n'est pas dans la démarche. Alors il n'y a pas de problème. Quel est le problème de CNews selon vous? La loi prévoit. Est-ce qu'il y a un problème de CNews selon vous? Mais moi, je vous pose des questions. Vous attaquez CNews. Quel est pour vous le problème de CNews? Répondez à cette question. Quel est pour vous le problème de CNews? Est-ce qu'il y a un problème avec CNews, oui ou non? Oui. Selon vous? Oui, alors quel est le problème? Je vais dire oui. Quel est le problème? Et qui n'est pas. Ça n'est pas une question de ligne éditoriale. C'est une question qu'effectivement, dans l'audiovisuel, est prévu un pluralisme interne. C'est-à-dire que sur chaque antenne, en audiovisuel, et particulièrement en télévision, on doit entendre des opinions différentes et une grande diversité. Et vous trouvez qu'il n'y a pas des opinions différentes? C'est ce que prévoit la loi, et jusqu'à présent, c'est ce que l'ARCOM. Et vous trouvez, par exemple, et vous trouvez que sur CNews, ça, c'est pas le cas? De fait, le spectre politique est relativement restreint. Alors, qu'est-ce que restreint? Honnêtement, vous en conviendrez. Il suffit de regarder CNews pour voir que Monsieur Dart. Mais j'imagine que le débat ici va être extrêmement contradictoire. Mais bien sûr. Mais moi, je me posais une question. Quand Madame Binet, Sophie Binet, voit un micro de CNews et qu'elle refuse de parler, je fais comment? Quand j'invite Sandrine Rousseau tous les jours et qu'elle ne vient pas, je fais comment? Et quand j'invite Jean-Luc Mélenchon tous les jours et qu'il ne vient pas, je fais combat. Ces gens-là ne veulent pas venir. Et vous savez pourquoi ils ne veulent pas venir? Parce qu'ils ne veulent pas parler à Éric Nolot. Ils ne veulent pas parler à Madame Dornelas. Ils refusent la conversation. Et vous m'accusez, moi, de pluralisme? C'est eux qui ne veulent pas venir. C'est eux qui ne veulent pas venir. Alors quand Monsieur Mélenchon, sur tous les plateaux, il ne veut pas parler avec Nolot. Pourquoi? Parce que Nolot est très intelligent et il va le mettre en difficulté. Peut-être. Peut-être. Donc ne parlez pas de pluralisme, s'il vous plaît. Non. Et ne parlez pas de démocratie. Mais monsieur Deloire, et ne donnez pas de leçons, s'il vous plaît. Surtout pas à moi. Surtout pas à moi. Je vous pose des questions depuis un quart d'heure. Il n'y a pas l'ombre d'une réponse dans vos questions. Monsieur Deloire, je ne vous ai pas parlé encore. Admettez que vous avez dit une connerie, on passe à autre chose. Parce que là, je vais vous dire comment c'est perçu. Vous êtes incapable de répondre à la question très simple. Vous avez dit, CNews teste la démocratie, vous êtes infoutu de donner le moindre fait. Alors moi, je vais vous expliquer ce qui se passe. Il y a une mise au pas de tout ce qui ressemble à une dissidence sur la base d'un syllogisme. Tous les gens qui s'éloignent d'un iota de la doxa sont classés à l'extrême droite. Une fois que tout le monde est classé à l'extrême droite, vous arrivez en disant, ben regardez à CNews, ils sont tous d'extrême droite. C'est anormal, il faut faire quelque chose. Donc c'est basé sur un syllogisme complètement absurde. Vous n'arrivez pas à assumer parce que vous vous appelez Reporters sans frontières et maintenant vous êtes Reporters avec frontières. C'est-à-dire que vous voulez que tous les journalistes soient à l'intérieur de frontières idéologiques bien précises. Ce que vous faites, c'est absolument honteux et inadmissible. Je n'aurais jamais cru qu'une association comme la vôtre, qui s'est battue pendant des années et des années pour la liberté d'expression dans des pays où elle n'avait pas droit de citer, maintenant se batte pour que des gens soient fichés politiquement, parce que c'est ça qui se passe. Vous pouvez alors répéter, on vous donne une dernière chance, je vous répète la question de Pascal Pro. En quoi CNews teste la démocratie? En quoi, sur ce plateau ou sur d'autres de CNews, il se passe des choses antidémocratiques? Il se tient des propos antidémocratiques? C'est votre dernière chance, parce que j'ai bien fait de prendre du café, je suis en train de m'endormir. Vous n'assumez pas ce que vous avez dit, vous n'assumez pas ce que vous avez écrit. Je vous pose une dernière fois la question de Pascal Pro. Dites-nous quel est le problème que nous posons à la démocratie. Mais dites-moi quelle sera la sanction quand vous exécuterez votre menace. Quelle menace? Vous m'avez dit que c'était la dernière fois. Non, mais monsieur Deloire, je ne vais pas.
Bon, non, mais quelle menace, laissez-moi vous répondre. En fait, vous dites n'importe quoi. Quelle menace a été dite? Vous voyez, ce qui est en train de se passer. Mais vous dites n'importe quoi. Mais vous me traitez de menace. Mais quelle menace? On vous pose une question dans ce débat. Mais on vous pose. Le journaliste, c'est sans même d'abord aller rechercher des faits. Est-ce qu'on peut pas? On vous pose une question. Vous êtes incapable de répondre. Vous êtes incapable de répondre à une question et de parler de menace. Je n'ai pas encore réussi à expliquer le sens de la décision, la nature de la décision. Vous m'en laissez pas le temps. On est là dans une inflation du commentaire. Parce que vous avez un bon dit que qui la ligne éditoriale, je retiens que la ligne éditoriale dont mes collègues prennent des risques, certains finissent en prison et aller dire que nous sommes contre la liberté d'expression. Vous avez dit que la ligne éditoriale de CNews ne posait pas de problème. Je retiens cette phrase d'ailleurs qui est formidable. Non, c'est dément. Vous avez dit la ligne. Ça n'était pas une question de ligne éditoriale exactement. Nous n'avons aucune préférence pour une ligne éditoriale contre une autre. Vous n'attaquez que CNews. Visiblement, vous n'êtes pas allé sur France Inter. CNews est conventionné par l'autorité administrative indépendante ARCOM comme service d'information. Nous avons diligenté des études d'informations vraiment factuelles, de présentation des faits. Il y avait au moment de l'étude 13% sur le temps de l'étude. 13% sur 100% du temps. Le reste, c'était du débat, du commentaire. Et ça met en péril, disons-le, le journalisme. Le journalisme, c'est pas simplement... C'est dément, en fait. Ce que vous dites est dément. Non, le commentaire met en péril le journalisme. Mais c'est dément, ce que vous êtes en train de dire. Le journaliste, c'est d'abord la recherche des faits. Et là, vous êtes en train de témoigner. Vous êtes en train pardonnez-moi, le journalisme, c'est beau. Qui consiste à être dans une forme de condamnation. Mais le journalisme... D'être devant un tribunal. Et en fait, on n'est pas vraiment dans un débat, là. Je le regrette, j'aimerais qu'on soit dans un débat. C'est pour ça que je vous ai proposé hier soir de venir. C'est moi qui ai fait la démarche. Donc, vous pouvez me citer toute la liste des gens qui ne veulent pas venir à CNews. C'est moi qui vous appelle. J'aimerais échanger avec vous et je pense qu'il faut qu'on puisse débattre de tout ça. D'abord, vous dites, au final, la ligne éditoriale n'est pas le sujet pour moi. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait de neutralité, nulle part. Ce que vous dites, c'est, ce qui est important, c'est la capacité des citoyens à accéder à une diversité de faits et d'opinions. C'est ça, en fait, sur lequel absolument. Vous pointez. Absolument. Moi, je peux témoigner... C'est mon expérience, je ne sais pas si vous regardez CNews régulièrement, que j'ai à réagir à une diversité de faits. Je peux témoigner que les débats, en effet, ils existent, peuvent être rugueux, en tout cas, ils existent. Est-ce que, au regard du constat qui est le vôtre, vous encouragez des personnes qui ne souhaitent pas participer à ces débats à venir se frotter au réel et à débattre ? Première chose. Et deuxième chose, dans les états généraux de l'information, vous savez, les personnes qui nous parlent dans la rue, ils disent l'information, je l'ai. Alors, il faut la décrypter, l'analyser. Elle tombe souvent ici aussi. C'est une complexité. Et j'aime bien ces débats parce que ça me permet de me confronter. Ça me permet parfois de changer d'avis, y compris Pascal Praud a évolué sur la constitutionnalisation de l'IVG sur la dernière période. C'est-à-dire que nous échangeons. Est-ce que cette dimension dans le travail d'une chaîne est importante ou pas ? Là, vous parlez de... Vous m'avez posé deux questions. D'abord, Est-ce que vous le fait de débattre, moi, je n'ai pas encouragé qui que ce soit à venir ou à dissuader. Je n'ai jamais dissuadé personne de venir, évidemment. Moi, je suis quelqu'un qui parle avec tout le monde. Très bien. Et c'est, je crois que je vous en ai donné la preuve, Pascal Praud, hier soir. Mais si, j'ai répondu à cette question. Non, vous ne répondez pas à la question essentielle. On est là, il y a des adultes. Donc, je ne vais pas reposer en même temps. Alors, je suis Christophe Barbier. Christophe Barbier, qui est un confrère de BFM et qui dit vive le pluralisme, vive la controverse et vive la liberté éditoriale des rédactions. Je ne suis pas d'accord avec vous, etc. Et il cite Voltaire. Moi, je vous assure, je le répète, je souhaite que toutes les rédactions vivent. Je vous le répète, je suis abonné personnellement à Mediapart. Je paye ma cotisation, ils peuvent vérifier. Je lis Libération, je les taquine souvent, parce que je ne suis pas forcément d'accord avec eux, mais pour rien au monde, je voudrais les contrôler. Pour rien au monde. Et même France Inter... Je ne souhaiterais jamais contrôler France Inter. Parce que les uns et les autres écoutent ce qu'ils veulent. En revanche, eux, ils veulent... Effectivement, il y a le monopole, souvent, de ces gens-là, sur les idées, sur la pensée. Et qu'est-ce qu'a fait CNews depuis maintenant 6 ou 7 ans? CNews permet d'entendre des voix qu'on n'entend nulle part ailleurs dans le PAF.
nulle part ailleurs. C'est-à-dire que Charlotte Dornelas, elle n'a jamais été invitée sur France Inter. Et au contraire, elle a été moquée un jour par un humoriste. Éric Nolot, il n'est plus jamais invité aujourd'hui sur le service public, parce que précisément, il ne correspond plus à la doxa. Hier soir, Gilles William Goldnadel était là, il est la première vente de livres en France, il est invité sur aucun service public. C'est ça la différence. Et tout à l'heure, lorsqu'on a eu un échange un peu vif, ce que je regrette... Quand vous dites que je mets à mal la démocratie... Je n'ai pas dit « vous mettez à mal », j'ai dit « le modèle ». CNews, mais, je vais en venir. Mais quel alors, modèle que vous voulez, allez, laissez-moi bon. Deux minutes Donc pour moi raconter. Si... Deux minutes. Alors, c'est tout. Et regardons, il y a eu un laboratoire, c'est les États-Unis. Il y a une chaîne aux États-Unis qui s'appelle Fox News. Fox News n'est pas née juste de la volonté de son propriétaire, Rupert Murdoch. Elle est née précisément de l'abandon aux États-Unis de l'équivalent de cette notion de pluralisme interne en France, qui aux États-Unis s'appelait balance, équilibre en anglais, dans le cadre d'une loi, je ne vais pas faire un cours, américaine, qui s'appelait la Fairness Doctrine, qui était très solide et qui permettait d'assurer ce pluralisme. Et puis qui a été démantelé par Reagan et à partir de là par la Cour suprême américaine. À partir de Fox News, il y a eu une polarisation générale des médias. Évidemment, la polarisation, c'est pas d'un seul côté. Et donc, les médias ont financé, ont fini par proposer des visions du monde unilatérales, sans la moindre place pour une vraie confrontation, une vraie contradiction entre les idées. À la fin, vous parlez pas ça de a nous, provoqué... Mais vous ne parlez parle pas de nous. Ah, bah, il me semble que Fox News est quand même une forme de modèle pour CNews. Mais pas du je tout. Me trompe. Mais, pas du tout. Mais, mais vous vous trompez. Qui vous avez cru voir donc ça CNews, rappelez-moi, est inspiré quand même de quelle chaîne? De Fox News. Mais vous êtes sérieux en disant ça? Oui, je suis sérieux. Et CBNews, s'est inspiré de Fox News? News, ça veut dire information. Mais enfin, vous êtes sérieux? C'est-à-dire que vous faites le rapport entre Fox News et CNews parce qu'il y a News? Non, mais enfin, on est. Je vous assure, faut que vous. Le rapport entre Fox News et CNews. Mais il n'y en a pas. C'est exactement les mêmes chaînes. Mais enfin, c'est exactement la même chaîne. Oui, vous êtes en plein délire. Mais vous regardez Fox News? Parlons de. Vous regardez Fox News? Est-ce que vous regardez Fox News? J'ai regardé l'autre jour. Vous pouvez me citer deux. J'ai regardé l'autre jour l'interview par Tucker Carlson, qui est l'ancienne star de Fox News. Il n'y est plus. Vous pouvez me citer deux journalistes de Fox News? Sans l'interrompre. Vous pouvez me citer deux journalistes de Fox News? Mais je ne peux pas vous citer deux journalistes. Parce que vous ne regardez pas Fox News. Je ne regarde pas tout le temps Fox News. Je peux. Mais vous ne savez pas ce qu'est Fox News. Vous ne savez pas. Vous dites n'importe quoi, monsieur. Vous ne savez. Vous ne pouvez même pas me citer deux journalistes de Fox News. A fini par fragmenter la société américaine et à la fin, les États-Unis se retrouvent avec des gens qui non seulement veulent plus vivre dans le même pays, mais qui en plus sont au bord de la guerre civile. Ah. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Moi, ou est-ce qu'au contraire, et Pascal Pro, n'importe quoi. Et Pascal Pro, c'est n'importe quoi. Excusez-moi, Fox News, ça n'a rien à voir avec CNews. Vous citez un ancien journaliste de CNews, de Fox News, en disant, vous voyez bien. Écoutez, vous êtes complètement à côté de la plaque. Je ne sais pas ce qui vous a pris. J'ai l'impression que vous avez dit une connerie, vous ne voulez pas revenir dessus et vous vous enfoncez parce que c'est Reporters sans frontières et pour la censure. C'est emmerdant. Je vous assure, moi, je m'inquiète. Moi, c'est un naufrage que vous faites. Hein, ouais. Depuis une demi-heure, c'est un naufrage total. Je m'inquiète. Vous avez justifié. Vous avez été nommé par le président de la République pour diriger les états généraux de la presse. Je vous assure, je m'inquiète. Je m'inquiète de votre nomination. De l'information. Je m'inquiète de votre nomination. Je ne comprends rien de ce que vous dites. Je ne sais pas dans quels médias vous avez travaillé. On nous apprend la clarté, la concision. Manifestement, on ne vous l'a pas appris. Vous êtes dirigeant du CFJ également. Vous dirigez le centre de formation des journalistes. C'est effrayant ce que j'entends depuis tout à l'heure. Je pensais vraiment, en venant sur ce plateau, que vous auriez des arguments contre nous. Il n'y en a pas le début d'un argument. Et c'est vous qui allez piloter les états généraux de l'information. Mais c'est effrayant. Et c'est le président de la République qui vous a nommé. On est chez Orwell. Là, on parlait de. Vous pouvez amener le débat sur autre chose. Utiliser tous les grands mots, porter toutes les accusations. D'ailleurs, ça ne vous gêne pas d'être, de diriger les états généraux de l'information et d'être également sur Reporters sans frontières? Je vous pose cette question. Ça ne vous gêne pas? Je suis venu. Ça vous gêne pas? Mais pourquoi ça me gênerait? L'objectif. Vous ne trouvez pas qu'il y a un conflit d'intérêts entre être reporter sans frontières? Il y a une demande de nos concitoyens. CNews, on aime parler de la demande réelle ou supposée des Français. Il y a une demande très forte des Français sur les questions de pluralisme. Ça, les sondages l'établissent. Comme les audiences. Moi, avec Reporters sans frontières, on a fait un tour de France l'an dernier. Dans un bus pour le droit à l'information, on organisait des assemblées citoyennes. Et dans les trois demandes des Français, il y avait « on est perdu dans ce flot informationnel, la fatigue, etc. » Il y en avait une deuxième qui était une demande d'indépendance des médias et de transparence. Il y en avait une troisième qui est « parlez-nous de la réalité, de toute la réalité. »
Il y a une demande très forte en matière d'indépendance éditoriale. Il y a une demande très forte. Monsieur Deloire, chacun regarde ce qu'il veut. S'il y avait qu'une chaîne, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je vais pas gouverner l'âme des gens. S'ils veulent regarder France Inter, ils regardent France Inter. Charlotte qui a pas parlé. Moi, j'ai deux questions, justement par rapport à ce que vous venez de dire. Vous expliquez, en prenant l'exemple de Fox News, que la ligne éditoriale d'un média a pour conséquence de fracturer la société. Je m'étonne toujours que vous posiez pas la question dans l'autre sens, c'est-à-dire la question du pluralisme. Si on la prend sur l'ensemble des médias, CNews, en abordant certains sujets qui ne sont pas traités ailleurs, en faisant parler des personnes qui ne sont pas invitées ailleurs, a répondu à l'échelle globale à un manque de pluralisme. Et c'est ce que les gens vous disent, en effet, parlez-nous de toute la réalité. Certaines n'existaient pas. La deuxième chose, c'est que avant que CNews existe, par exemple sur la question de la fracture de la société, il y a deux événements qui ont montré que les Français sont quand même assez grands pour prendre de la distance aussi par rapport à ce qu'ils entendent. La première chose, c'est Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002. Pas un média en France, à l'époque, ne plébiscite le vote pour Jean-Marie Le Pen, vous serez d'accord avec moi. Il arrive au second tour. Donc la fracture constitutionnelle européenne, une grande fracture, puisque ces deux exemples-là montrent que les Français ont d'abord une distance à l'égard de leurs médias et qu'une partie des Français choisit contre l'avis de 100% des médias. Là, le pluralisme, il se pose sur les deux terrains. Et la deuxième question que j'ai, c'est que RSF a parlé, et là je vais parler factuellement comme vous dites, travaille sur la base d'un rapport fait par le sémiologue François Jost qui compare, alors là vraiment j'étais très étonnée, la démarche c'est d'analyser la ligne éditoriale de CNews, donc le choix des sujets et la manière de les traiter dans leur hiérarchie, à partir des choix faits par BFM TV. Mais qui décide que la ligne éditoriale de BFM TV est objective et qu'à partir de ça, on peut décider que celle de CNews n'y est pas? Donc s'il faut un comité de décision du choix des sujets, de leur hiérarchie et des mots à utiliser pour le traiter, il faut le dire comme ça. Mais là, je suis très étonnée, en effet. Non, c'est pas l'objet de l'étude. L'objet de l'étude, c'est d'avoir suivi... Moi, vous me faites peur. Franchement. Mais laissez-moi parler. Non, mais à tout point de vue. Vous êtes, entre votre ligne idéologique et votre confusion intellectuelle, vous me faites très peur. Hein. Mais vous êtes en si train de faire la preuve. Si c'est à vous qu'on confie l'information en France, le soin de définir ce que c'est qu'une bonne information, qu'une mauvaise information, je vous dis, vous me faites peur. Éric Nolot, vous l'avez lu, la décision, très honnêtement. Nous l'avons lu ce matin. Oui. Ce que vous réclamez. Georges Fenech, la Lune, nous en avons parlé avant. Voilà. Je ne crois pas que vous l'ayez. Juste un mot, donc, parce qu'il y a notre ami Thomas Hill, je suis obligé de lui dire bonjour et au revoir en même temps. Thomas Hill, restez. D'abord, je vous remercie d'être là. Hein. Parce que ça, c'est. Je veux dire, vous nous attaquez durement, donc forcément, moi, quand on dit. Attendez. Parce que je dis au revoir à Thomas Hill. Il est là, Thomas? Je lui dis bonjour et au revoir. Oui. Thomas, c'est un peu chaud. Bonjour. Figurez-vous que c'est la Saint-Valentin. Donc on a dit à monsieur Deloire de venir pour la Saint-Valentin. Ensemble. Vous êtes mignon comme tout. On va trouver un terrain d'entente. Parce que je rappelle que c'est un journaliste. C'est quelqu'un comme nous, qui a une carte de presse comme nous. Mais vous avez raison de souligner qu'il est courageux de venir sur votre plateau, en tout cas. Voilà. Bon, en tout cas, c'est parfait. Merci.